Depuis 450, Vortigern, le premier roi briton, élu par les barons, nourrissait une attraction morbide envers les Jutes que l'Assemblée londonienne avait unanimement invitée en terre britonne afin de lutter contre les Pictes et les Scots, ennemis héréditaires des Britons, et qui faisaient ravage sur ravage depuis l'ultime aide romaine de 418. Les Jutes ne supportèrent que cinq ans ce statut de fédéré et avaient pour ambition d'installer leur propre royaume aux dépens des Britons. Leur chef, Engist, faisait régulièrement grossir ses troupes par l'apport régulier de compatriotes appelés du continent. Dans un de ces contingents se trouvait sa propre fille, et voyant un désir ardent dans les yeux de Vortigerne, Engist la lui donna malicieusement en mariage. C'était une influence supplémentaire et non la moindre. Finalement, en 455, se content, les Jutes estimèrent pouvoir se libérer de leur statut de fédérés et prétextèrent des doléances impossibles à satisfaire. Ils en vinrent donc, selon leur plan machiavélique, à se confronter aux Britons. Ainsi, ils changèrent d'alliance, se coltinèrent avec les barbares du Nord. Cela même qu'ils étaient venus en mission de combattre et se retournèrent contre Vortigern, amorçant un long processus de 200 ans de lutte acharnée entre Britons et Germains. La première attaque sérieuse des Saxons contre les Britons eut ainsi lieu en 455 à Ellesford, aujourd'hui petite ville du comté de Kent. Les Germains avaient pour chef Engist et son frère Orsa. Et selon une tradition ancienne, les Britons étaient conduits par Vortigern, assisté de deux de ses fils, Vortemir et Catigern. Au commencement de la bataille, Orsa, chargeant avec impétuosité le corps commandé par Catigern, le mit en complète déroute et tua le prince. Mais au milieu de son triomphe, il se vit lui-même surpris et attaqué de flanc par Vortemir qui vengea son frère en tuant Orsa et en mettant sa troupe en pièces puis se retournant avec toute l'armée bretonne contre Engist il le contraignit à fuir après un combat des plus acharnés ainsi cette première journée fut gagnante pour les britons grâce à la résolution de Vortemir qui à partir de ce moment devint le véritable chef de la défense nationale c'était sans compter sur l'envoûtement amoureux de Vortigerne pris dans les griffes de son désir, le laissant dépendant de sa femme. Celle-ci complota contre son glorieux et survivant beau-fils et l'empoisonna en 456. Pour sa défense, elle prétexta agir selon la loi germaine de la Fède et que c'était de son devoir que de venger son oncle Orsa Tué au combat l'année précédente. Et de manière plus vicieuse, elle susura à l'oreille de Vortigern qu'elle voulait le rétablir sur le trône briton. C'est ainsi que le tout récent et illustre chef briton Vortemir fut assassiné par sa belle-mère avec la passivité morbide de son père Vortigern. Libérés d'un ennemi charismatique, les Saxons purent alors regagner du terrain. Chaque jour le ramenait de Germanie de nouveaux renforts, si bien que, fiers de leur nombre, ils vinrent de nouveau en l'an 457 présenter le combat aux Britons sur les bords de la rivière de Creil, au lieu dit maintenant Crayford, et toujours dans le comté de Kent, mais à l'ouest d'Ellesford. Les Britons, de leur côté, avaient assemblé pour les recevoir une armée considérable, divisée en quatre corps, conduits par quatre chefs illustres. Mais l'avantage du nombre restait aux Saxons, et ils comptaient parmi eux beaucoup de guerriers d'élite venus de Germanie, habiles à manier ces lourdes haches et ces longues lèvres à deux mains dont un seul coup suffisait pour abattre un homme. Dès le commencement de la bataille, l'infériorité des Britons se manifesta. Toutefois, Tant que leurs chefs furent là pour soutenir leur résistance, ils tarrent bon. Mais leurs chefs furent tués un à un, et au final, décapités de tout commandement, ils s'enfuirent. Les Britons en déroute furent poursuivis par les Germains, et ce fut un grand massacre. Quatre mille Britons, dit-on, restèrent sur le champ de bataille. Ceux qui en échappèrent irent s'enfermer dans les murs de Londres. Le Cantium resta acquis aux barbares. De ce jour, Engis se décora du titre de roi, et de ce jour, en effet, le royaume germain, celui de Kent, fut fondé. Mais le Cantium ne suffit point aux Germains. Ils s'étaient promis pour proie l'île de Bretagne tout entière, et l'armée bretonne détruite, ne voyant plus devant eux aucun obstacle, aucune résistance organisée, ils se lancèrent aussitôt à travers l'île comme un torrent, affamé du sang des Britons. Ils promenèrent d'une mer à l'autre le glaive et la torche, partout ne laissant derrière eux que sang et ruines. C'est Gilda qu'il faut lire sur ce désastre. La main impie des Saxons propage d'une mer à l'autre un vaste incendie dont la flamme, partie de la rive orientale, après avoir ravagé les villes et les champs les plus voisins, dévore de proche en proche et presque en entier la surface de l'île pour ne s'éteindre que lorsque sa langue rouge et terrible vient lécher les premiers flots de l'océan occidental. Cette invasion fut comparable à celle des Assyriens en Judée. Et plus loin Toutes les cités cédant au coup redoublé du bélier, tous les citoyens, les prêtres, les évêques, le peuple entier, enveloppés dans un cercle de glaives étincelants et de flammes crépitantes, se voyaient frapper ensemble, tous couchés sur le sol. Et le lendemain du désastre, le spectacle était affreux. Ce n'était plus sur toutes les places publiques qu'un amas de tours arrachées de leur base, de quartiers de murs renversés, de saints autels brisés, de cadavres coupés en pièces, tout couvert de larges croûtes d'un sang purpurin à demi durci, le tout pêle-mêle entassé comme en un pressoir épouvantable. Pour ces cadavres, d'ailleurs, nulle autre sépulture que ces ruines horribles où le ventre des bêtes féroces et des oiseaux de proie. Quant aux malheureux Britons épargnés par ces désastres, une partie d'entre eux, surpris dans les montagnes par les Saxons, y furent égorgés en masse. Il y en eut ainsi qui vinrent d'eux mêmes, rongés de faim, tendre les mains aux barbares, dont ils n'avaient à attendre qu'une servitude éternelle, à moins toutefois que ceux ci ne les massacrent sur le-champ, la plus haute grâce qu'ils pussent faire. D'autres, se jetant dans des barques, se rendaient au pays d'outre-mer, avec de grands gémissements, et sous leurs voiles gonflés, en place de la chanson des Rameurs, ils chantaient ce psaume Seigneur, votre main nous a livrés comme des agneaux à la boucherie, et elle nous a dispersés parmi les nations. D'autres enfin se retranchaient derrière les cimes escarpées et des précipices affreux, confiaient leur vie aux forêts les plus épaisses, aux roches les mieux défendues par la mer, et bien que toujours inquiets, toujours tremblants au fond de leur asile, ils persistaient à rester sur le sol de la patrie. Il semble impossible qu'après la journée de Crayford, la bande d'Engist, qui n'était encore malgré tout qu'une avant-garde, ait été assez nombreuse pour dévaster l'île entière. Ce qui est sûr, c'est que l'invasion grossissant de plus en plus ses hordes L'île entière ne tarda pas à subir de proche en proche cette effroyable désolation. Gilda, ici, suivant d'ailleurs son mode habituel, a concentré fortement dans une peinture d'ensemble des traits et des événements qui se produisirent peu à peu. Ce qui semble vrai quant à Engist, c'est qu'il dévasta de la sorte, dès sa première irruption, tout le sud de l'île d'une mer à l'autre si bien que l'on trouve aujourd'hui encore dans le comté de Cornouailles et non loin du cap Land End, à dix kilomètres au nord de Plymouth, des monuments et des lieux portant son nom, entre autres Engesthune, anciennement Dune, c'est-à-dire montagne d'Engist. Il est aisé d'ailleurs d'expliquer comment cette course effrénée d'une bande furieuse à travers une masse de population très supérieure en nombre, put cependant s'accomplir presque sans obstacle. C'est que les Britons se trouvaient divisés en une foule de petites principautés, dont les chefs, loin d'être prêts à s'entendre et à s'unir, étaient toujours en rivalité et souvent en guerre les uns contre les autres. La bande d'Engis les surprit comme un torrent débordé surprend pendant leur sommeil les habitants des campagnes. Envahies rapidement l'une après l'autre, toutes ces petites tribus tombèrent en quelque sorte l'une sur l'autre, sans même avoir le temps de se reconnaître, encore moins de combiner une défense commune et bientôt l'immense terreur qui précédait les Saxons bannit jusqu'à la moindre idée de résistance. Toutefois, si les saxons d'Engis, favorisés par ces circonstances, étaient déjà assez forts pour dévaster au pas de course d'une mer à l'autre le midi de la Bretagne, ils étaient de beaucoup trop faibles, trop peu nombreux pour occuper à demeure une telle étendue de pays et même pour tenter d'y asseoir leur domination d'une manière sérieuse. Le torrent, quoi qu'il en ait, ne peut se changer en lac. À peine a-t-il accompli son œuvre dévastatrice, on le voit rentrer dans son lit. Ainsi, la bande d'Engistes, après avoir tout ruiné, brûlé, massacré sur son passage, rentra chargée de butin au siège de son établissement, c'est-à-dire dans le territoire du Cantium. Du moins, cette leçon terrible profita aux Britons. Toutes les tribus, tous les chefs comprirent cette fois l'immensité du péril, en même temps que l'impérieuse nécessité d'unir toutes leurs forces pour le combattre. Il y allait en effet de l'existence même de la nation. On proclama donc un chef suprême, et le choix qu'on fit fut heureux. Il porta sur un homme de race romaine, et presque le seul romain, dit Gilda, qui fut demeuré en Bretagne. Son nom confirme son origine. Il s'appelait Ambrosius Aurelianus. Ses parents, jadis honorés de la pourpre, venaient tous d'être massacrés par les hordes d'Engistes. Quant à lui, ajoute Gilda, il était modeste, affable, sincère, fidèle à sa parole et d'une bravoure héroïque. Ce devait être aussi sans doute un habile capitaine et agile de ses armes. L'énergique résolution du chef releva le courage des Britons. Ils eurent bientôt une armée nombreuse, ardente et avide de se battre. Ambroise sut en profiter. Avec une audace pleine de sagesse, au lieu d'attendre les Saxons, il résolut d'aller lui-même les chercher dans leur cantium et de tomber sur eux à l'improviste quand ils croyaient encore les Britons atterrés de leur désastre. Ce plan réussit au mieux. Et les Saxons furent vaincus. Par malheur, nous ignorons le détail de cette campagne. On sait seulement qu'en l'an 465, huit ans après la journée de Crayford, les Germains, chassés à leur tour du pays de Kent, étaient refoulés dans l'île de Tanet. Les Britons y pénétrèrent pour leur livrer un dernier combat. Ce fut une grande bataille. L'armée bretonne était partagée en douze corps commandés par douze guerriers illustres. De leur côté, les Germains, dans leur détresse, avaient demandé de nouveaux secours à la mère patrie et venaient justement de recevoir de nombreux renforts. Ainsi, leur vide se trouvait comblé. Le combat fut long, acharné, fort meurtrier, longtemps soutenu de part et d'autre sans avantage décisif. Enfin, les douze chefs des Britons, victimes de leur téméraire bravoure, finirent par succomber et leur armée, décapitée par ce coup, quitta en désordre le champ de bataille. Les Germains toutefois ne purent la poursuivre, leur perte était trop grave. Beaucoup de leurs chefs aussi avaient péri. Entre autres, un des plus vaillants, appelé Wiped, patte doigt le lieu de ce combat sanglant prit en son honneur le nom de Weepets Fleet, qu'il garde encore aujourd'hui on a dit qu'ambroise aurélien aurait quitté la grande-bretagne et emmena dans son exil une foule de britons vers l'armorique on ne certifie point mais il semble pourtant qu'ambroise aurélien était le premier des douze chefs britons tués dans la bataille de whippetsfleet sa mort fut le plus grand gain des Jutes. Néanmoins, les Jutes sortirent si affaiblis de leur propre victoire qu'ils restèrent assez longtemps sans oser de nouveau se lancer contre les Britons qui, de leur côté privés d'Ambroise, n'osaient revenir à la charge. Par la seule force des choses, la guerre se trouva donc suspendue et suivie d'une paix forcée dont les deux parties usèrent d'ailleurs très diversement. Les Britons se laissèrent prendre au charme d'une sécurité trompeuse, tandis que les Saxons ne s'occupèrent qu'à réparer leurs pertes et à se mettre en état de recommencer la lutte au plus tôt. Pour cela, ils eurent recours à leurs ressources ordinaires, à cette terre de Germanie dont le ventre inépuisable enfantait incessamment des nuées de barbares qui ne se firent guère prier pour venir grossir l'armée des Forbans. Le résultat de cette conduite si différente des deux peuples fut ce qu'il devait être. Huit ans après la bataille de Wippetsflit, soit en 473, Engis tomba tout à coup sur les Britons au moment où il s'y attendait le moins. Engis broya tout ce qui voulut résister et se lança de nouveau à travers l'île, brûlant, tuant, pillant, poussant l'épée dans les reins des masses indigènes éperdues et effarées qui fuyaient devant lui comme devant le feu, nous dit la chronique saxonne. Puis, comme la première fois, il rentra dans le Cantium avec un immense butin. Ainsi, le plan d'Engis était, soit par tactique, soit par impuissance, de s'enfermer dans le pays de Kent comme dans une forteresse, sans tenter d'étendre de là sa domination, mais en se réservant le droit de sortir de temps en temps de cette place d'armes pour exécuter dans le reste de la Bretagne des razzias épouvantables. Avec ce plan, et malgré tout, l'invasion saxonne restait stationnaire. Les Britons, en s'unissant et redoublant d'efforts, pouvaient un jour arriver non seulement à la contenir, mais même à la dominer. Malheureusement, d'autres hordes entièrement indépendantes d'Engist vinrent bientôt sur un autre point Élargir le cercle de la conquête. En 477, une nouvelle armée, cette fois d'Anglo-Saxons, conduite par Ella et ses trois fils, Simen, Vleking et Sissa, débarqua sur la côte méridionale de l'île, en un lieu qui, du premier de ses fils, prit le nom de Simenes Hora ou Siemenshore, tout près d'une bourgade appelée aujourd'hui Wittering, à l'est de l'île de Wyde, près de Portsmouth, dans l'angle sud-ouest du présent comté de Sussex. Le bruit de ce débarquement s'étant répandu, les Britons d'alentour vinrent aussitôt charger les Saxons pour les contraindre à remonter sur leur navires. Mais cette attaque eut lieu sans ordre, sans ensemble, à la débandade. Il y avait là plusieurs chefs britons. Au lieu de combiner leurs mouvements et de se prêter mutuellement appui, ils s'en venaient successivement et séparément se ruer sur les pirates qui, eux au contraire, formés en phalanges serrées, mûrs de boucliers, n'eurent pas de peine à triompher de ces bandes sans discipline. Ainsi tous les Britons furent vaincus les uns après les autres. Repoussés, malmenés, puis attaqués à leur tour, ils n'eurent bientôt plus que deux refuges, la forêt ou la ville d'Andérida. La ville, située à 25 km plein sud de Londres et à 15 km du Chanel, fut bâtie par les Romains et elle restait encore une forte citadelle. La forêt immense place d'armes créée par la nature, plus impénétrable que la ville, appelée coitendred par les Britons et Andrederswald par les Saxons, couvrait toute la partie orientale du comté actuel de Sussex et une partie occidentale de celui de Kent. Les Saxons occupèrent donc les côtes et le plat pays. Les Britons gardèrent la ville et la forêt. À l'ombre de la forêt, leur résistance se releva. Chaque jour, ils en sortaient pour harceler les pirates. Huit années s'écoulèrent ainsi dans cette drôle de guerre. En 485, enfin mieux disciplinés, les Britons vinrent livrer aux Saxons une bataille rangée à Mercrendesburg, situation inconnue dans le comté de Sussex, où ils leur firent éprouver de grandes pertes. La victoire resta douteuse, mais les Saxons affaiblis n'osèrent plus rien entreprendre. Suivant leur constant usage en pareil cas, ils tirèrent du continent de nombreuses recrues. Les Britons mirent aussi tout en œuvre pour accroître leurs forces, et ayant fait connaître aux autres tribus l'importance de la guerre dans laquelle ils étaient engagés, ils en reçurent des secours considérables. Ainsi, la lutte se soutint pendant cinq années encore après la journée de Mercredesburg, sans nul avantage sérieux pour les Saxons. Ella finit par comprendre l'importance capitale de la place d'Andérida. Il suffisait aux Britons de la posséder pour tenir en échec les Saxons et aux Saxons de la prendre pour briser la résistance des Britons. Ella vient donc l'assiéger avec une immense armée. Les Britons, de leur côté, s'apprêtèrent à la défense avec énergie les plus braves s'y enfermèrent résolus s'il le fallait à s'ensevelir sous les ruines en même temps une grande armée britonne se posta dans la forêt les britons s'y rassemblèrent comme un vaste essaim d'abeilles le jour ils demeuraient à l'affût et dès qu'une troupe de saxons s'éloignait du camp elle était immédiatement enveloppée et détruite la nuit les Britons eux-mêmes se jetant sur le camp saxon y semaient de tous côtés la terreur et la mort. Jour ou nuit, dès que les barbares attaquaient la ville, les indigènes sortant de la forêt les chargeaient en queue, les criblaient de traits et de javelots. Puis, quand les assiégeants ainsi assiégés, contraints d'abandonner l'attaque de la ville, faisaient tête contre leurs agresseurs, ceux-ci rentraient en bon ordre dans l'asile impénétrable de la forêt. Les Saxons retournaient-ils aux murailles, l'armée bretonne les chargeait de nouveau. Ainsi, sans avancer d'un seul pas, les païens perdaient un monde énorme. Mais, comme de nouvelles bandes arrivaient à chaque instant de Germanie, les Saxons se trouvaient de plus en plus nombreux, en sorte que, malgré ces pertes, l'armée d'Ella devint enfin assez forte pour qu'il en pût faire deux corps dont l'un n'eut d'autre mission que de contenir les Britons de la forêt, pendant que l'autre put presser sans obstacle le siège d'Andérida. De ce moment, l'issue du siège fut certaine. La garnison d'Andérida le comprit, mais ne se découragea pas. Entourée d'un cercle immense d'ennemis et n'espérant plus du dehors aucun secours, elle regarda son sort sans frémir et ne songea qu'à se défendre jusqu'à la mort. Ces braves firent des prodiges d'héroïsme. Tous les assauts des Saxons furent repoussés et ceux ci contraints de changer le siège en blocus. Le blocus amena rapidement la famine, mais celle ci ne convint les Britons à ouvrir les portes. Beaucoup périrent de misère et les autres, haves, débilités, exténués, continuèrent du haut des murs à braver les Saxons. Ces derniers, les voyant déjà demi morts de faim, Osèrent tenter un assaut qui cette fois réussit. La place fut prise de vive force. Les vainqueurs massacrèrent tout jusqu'aux enfants et aux femmes et n'y laissèrent pas un seul vivant. Ils ruinèrent la ville de fond en comble. Au XIIe siècle, les ruines se voyaient encore. Par la chute d'Andérida, Ella regarda sa domination comme assurée et prit le titre de roi. C'est aussi de ce jour de l'an de grâce 490 que l'on date l'établissement du second royaume saxon de l'île de Bretagne, appelé royaume de Soundsex ou royaume des Saxons du Sud, le Sussex. La bataille du Mont Badon pose un problème chronologique. Nous avons dit dans l'avant-dernière vidéo que les Annales de Cambridge placent cette bataille en 516 et qu'elle oppose les Britons aux Saxons du Wessex. Ce qui transpire fortement, c'est qu'il s'agit d'une bataille de défense de la Cornouaille, donc sur le plan géographique, on peut la situer avec succès dans la grande banlieue sud de Bath. Ce qui est indéniable, c'est qu'elle est suivie d'une longue période de paix, du moins d'une longue période de silence de la part des chroniqueurs. Ces derniers, tous d'origine germaine comme Gilda, ont-ils cherché à masquer des revers de leurs congénères La question reste posée. Essayons d'y voir clair. Rappelons d'abord que Gilda ne cite jamais le nom d'Arthur parmi les chefs britons. Ayons aussi en tête qu'il est difficile de situer l'année de naissance d'Arthur. Ce que l'on sait est qu'il prend la couronne à la mort de son père, Uther Pendragon, à l'âge de 15 ans. Uther étant mort en 485, Arthur serait né en 470. Ceci lui donnerait l'âge de 24 ans pour une bataille en 494, au contraire de 46 ans pour une bataille ayant eu lieu en 516 contre Senric, alors général de Cerdic. Notons au passage que sa mort à Camelan est estimée en 552 à la bataille de Salisbury contre le même Senric qui cette fois est le successeur de Serdic. Serdic déclare le Wessex comme fondé en 519 et mort en 534. Dans ce cas de figure, Arthur serait mort à l'âge estimable de 90 ans ce qui est, avouons-le, un âge canonique pour se retrouver sur un champ de bataille. La source la plus catégorique et celle de Gilda qui nous dit que cette bataille a eu lieu l'année de sa naissance et Gilda est née en 494 certains disent entre 490 et 504 on ne peut pas dire alors que s'en est suivi une période de paix puisque dès l'année suivante en 495 les saxons de l'ouest sous la conduite de leur chef Serdic Débarque à Southampton et entame une période de guerre intense de 33 ans jusqu'en 527 avec les Britons. Les Annales de Cambridge placent la bataille du Mont-Badon en 516 avec Senric comme meneur des troupes saxonnes. Là, de même, on ne peut pas dire que la paix s'ensuivit puisque les troupes de Cerdic continuèrent le combat plus au nord vers Birmingham en 519. Puis revinrent en Cornouailles pour guerroyer sans succès pendant huit ans jusqu'en 527, puis se redirigèrent vers le nord et ensuite vers le pays de Gwen avant de se replier sur leur terre de débarquement dans le Hampshire, toujours la même année en 527. À partir de ce repli, une période de paix de 25 années est bien constatée entre 527 et 552, et cela apparemment sur toute la Bretagne du Sud. C'est pour cette raison que pour ma part, j'opte pour l'année 527. Cette année m'apparaît être une bonne candidate pour la bataille du mont Badon. Il y a donc trois hypothèses plausibles quant à la date de la bataille du mont Badon. 494, 516 et 527. Mais revenons à notre chronologie pour une bataille en 494. Le désastre d'Andérida de 490 eut pour résultat de désorganiser la résistance des Britons et de briser leur ligue. En conséquence, les Saxons, aussi bien ceux de Kent que ceux de Sussex, voyant le chemin libre, se lancèrent encore une fois à travers l'île de Bretagne. À l'instar des années 457 et 473, ils dévalent vers l'ouest, vers la Cornouaille, pour y renouveler ravages, incendies et massacres. Sur ce coup, pourtant, ils furent moins prudents qu'en 457 et qu'en 473. Au lieu de regagner promptement leurs repères avec leur butin, sitôt leur brigandage accompli, une partie de leur horde s'attardèrent parmi les populations bretonnes, qui, de leur côté, commençaient enfin à s'aguerrir, moins lentes à reprendre courage qu'à l'accoutumer. Poussés par l'excès du désespoir, les Britons n'attendirent point leur départ pour reformer leur ligue, réorganiser leur résistance et se mettre en état de combattre l'ennemi commun. Si bien qu'un jour de l'an 494, les hordes saxonnes, occupées à dévaster les pays fertiles qui bordent vers le midi l'embouchure de la Séverne, virent tout à coup devant elles une très grande armée bretonne. Surprise, l'armée des brigands dut se réfugier dans une forte position où elle se mit à couvert derrière de formidables retranchements. Gilda appelle ce lieu le mont Badon. On le nomme maintenant Bannesdaun et il est à peu de distance de la ville actuelle de Bath. Malgré les fortifications germaines, les Britons cernèrent leurs ennemis de toutes parts, enlevèrent de vive force leurs camps retranchés et firent de ces bandits un immense massacre. Ce fut une glorieuse revanche de la prise d'Andérida, et il y a lieu de voir dans cette victoire le brillant début du règne de Nathan Léo, chef suprême ou généralissime de la Ligue bretonne, l'un des plus rudes adversaires des envahisseurs. Cette défaite porta un coup terrible aux Saxons de Kent et de Sussex, qui, de longtemps, ne purent s'en remettre ni tenter le moindre mouvement. Peut-être même eut-elle pour conséquence d'en délivrer la Bretagne si de nouvelles et puissantes bandes n'étaient venues dès 495 attirer d'un autre côté les efforts des Britons. En 495, une flotte saxonne conduite par deux chefs des plus vaillants, Cerdic et Cynric, vint aborder sur la côte méridionale de l'île de Bretagne, en un lieu qui prit de ce fait le nom de Cerdices Ora, c'est-à-dire rivage de Cerdic, et que les antiquaires placent les uns dans la baie de Southampton, dans le Hampshire, les autres dans le sud-ouest du Dorsetshire, non loin de la frontière du comté de Devon. La première de ces deux situations est incontestablement la meilleure. Nous avons vu cet épisode dans l'avant-dernière vidéo. Les Britons qui attendent de pied ferme le débarquement des Saxons, l'intrépide flegme des Saxons qui restent protégés derrière leurs murailles de fer et de boucliers, les inconsidérés et inefficaces assauts des Britons qui se fracassent contre cette muraille et perdent de nombreux soldats, le retrait des Britons au soir tombé laissant la plage libre aux Saxons de Cerdic. Nous avons vu ensuite la guérilla de Serdique alentour pendant plusieurs années jusqu'en 501 date à laquelle il voit arriver des auxiliaires germains commandés par Porte et ses deux fils Bieda et Megla qui débarquent à Portsmouth lieu qui a conservé le nom de ce chef. Les habitants du pays s'émurent à cette nouvelle et marchèrent contre les pirates mais ces Britons ne formaient pas une troupe régulière. Ce n'était qu'une foule indisciplinée qui attaqua sans précaution, sans ordre, que son impétueuse audace ne put sauver du massacre. Le roi de la province était en tête, brave, jeune et de race illustre, voyant qu'il ne pouvait vaincre, il se dévoua et périt, et Porte put faire sa jonction avec les bandes de Serdic. On ne voit pas toutefois que ces deux armées, qui ensemble présentaient assurément une grande force, avaient rien fait pendant longtemps de remarquable. C'est qu'elles se trouvaient tenues en échec par la bravoure et le génie du chef de la Ligue Bretonne, Nathan Léo Nous ne savons à peu près rien des victoires de ce grand prince briton, parce que les plus anciens chroniqueurs, saxons d'origine, ne nous ont guère fait connaître que les succès de leurs compatriotes, en y ajoutant tout au plus les batailles douteuses dont ceux-ci pouvaient encore s'attribuer l'honneur. Néanmoins, ce qu'ils nous disent de la chute et de la mort de Nathan Léo suffit à nous révéler la grandeur de son rôle. C'est à qui qu'il livra sa dernière bataille, c'était en 508. Or, Nathlet se trouve entre la baie de Southampton et de Portsmouth, c'est-à-dire entre les deux points de débarquement de Porte et de Cerdic, à peu de distance aussi de la frontière de Sussex. C'est là que l'on voit que Nathan Léo était venu à presque rejeter les bandes unies de Cerdic et de Porte sur leurs deux royaumes saxons déjà fondés et se trouvait en position de les détruire. Aussi, les Saxons de Kent et de Sussex s'allièrent-ils à Serdic et à Porte pour combattre le généralissime Britton. Ainsi, il fallut tous les ennemis de la Bretagne pour rivaliser contre Nathan Léo. Nous avons vu le déroulement de la bataille dans l'avant-dernière vidéo. Comment Serdic prit le bataillon le plus fort et avec lui le commandement des Germains Comment Nathan Léo se jeta sur lui, décima son aile et le mit en fuite Comment les Britons commirent l'erreur de poursuivre les fuyards et ainsi de se débander Comment Cynric en profita pour prendre les Britons à revers et les décimer, laissant sur le tas les 5000 Britons, leur chef avec Cette grande défaite des Britons et surtout la mort de Nathan Léo livrèrent encore une fois la Bretagne sans défense à la férocité des Saxons, qui la pillèrent, saccagèrent, incendièrent, épouvantèrent, comme ils l'avaient déjà fait trop souvent, hélas, depuis 60 ans. Serdic appela auprès de lui pour partager cette aubaine les membres de sa famille restés sur le continent. Deux de ses neveux, Stuf et Widgar, lui amenèrent de nouvelles hordes et vinrent en 514 débarquer comme leur oncle 19 ans plus tôt à Serdicès-Sora. Serdic se vit dès lors à la tête de forces énormes et en état d'accomplir sur les Britons des conquêtes plus sérieuses que par le passé. Les Britons avaient déjà repris courage et recommencé la guerre. Ils accoururent aussitôt combattre ces nouveaux venus. Ils semblent même s'être efforcés d'éviter leurs fautes passées et de discipliner leur fougue héroïque, mais insensée, plus fatale pour eux que le fer saxon. Du moins, un ancien auteur assure qu'ils formèrent leurs troupes en très bel ordre et suivant les meilleures règles de l'art militaire. Une partie de l'armée bretonne s'avançait par les hauteurs, une autre par les vallées. Et comme ils marchaient ainsi avec adresse et prudence, le soleil levant parut, ses rayons vinrent frapper les boucliers dorés des Britons, les collines en resplendirent, et tout l'air environnant brilla d'une lumière plus vive. Les Saxons à cette vue tremblèrent et s'avancèrent au combat la crainte au cœur, mais quand ces deux armées intrépides en furent venues à se briser l'une contre l'autre, la vaillance des Britons s'évanouit soudain par la volonté de Dieu qui les avait condamnés, et leurs ennemis obtinrent une victoire éclatante. Chronique saxonne. Avec la bataille de Chartford, contraction de Serdicesford ou guet de Serdic au sud de Birmingham, Serdic, vainqueur d'une coalition des élites britanniques, déclara le royaume de Wessex fondé.